Ok, cool. Yo Rana la gang famille, j'espère que vous allez bien. Bien dans cette nouvelle vidéo, ça me fait vraiment super super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Mais tout d'abord, je voulais vous souhaiter de passer une merveilleuse année 2021 parce que c'est la première vidéo que je fais en 2021. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout la santé, c'est vachement important. Et aussi, je voulais vous remercier pour tous vos retours positifs que vous avez eu sur mes deux premiers épisodes sur la chaîne YouTube Teddy Jongté. Vous avez été juste incroyable. Merci du fond du cœur pour tout votre soutien. Et aujourd'hui, je vais accueillir une personne qui est juste incroyable. Il a une voix magnifique. Il s'appelle Tane Tianini. Yorana les amis. Yorana, moi c'est Tane Tianini Reite Moana. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui regardent cette vidéo là? Je suis chanteur de Tahiti. Je suis le leader d'un groupe qui s'appelle Manmo. Ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on chante et qu'on tourne sur Tahiti. Et en même temps, je suis guitariste. Et ça fait combien de temps que tu chantes? Est-ce que c'était quelque chose que tu faisais depuis petit ou t'as eu un déclic pour le chant? Depuis petit, j'étais dans l'église. Dans l'église catholique de Paia avec un groupe de jeunes et grâce à ce groupe de jeunes j'ai appris à chanter, on va dire autodidacte, et en même temps appris à jouer de la guitare. D'ailleurs, je les remercie, les groupes de jeunes, s'ils peuvent me voir, voilà, c'est les Wonders. Yes. Et après, petit à petit, au lycée, j'ai fait des galas, les journées polynésiennes et tout, et puis le déclic qu'il y a eu, c'était la participation du studio live session. Je sais pas comment, mais j'ai gagné. Ouais, trop bien, ouais. J'ai gagné le studio live session et grâce à cette vidéo là, le monde de la musique m'a repéré. Et ça te fait quoi justement de jouer dans les bars, dans les restaurants, enfin dans ce milieu là de la nuit? Au début, c'était un peu difficile parce que je suis timide et tout, mais ça me permet de m'exprimer au public. Ouais. D'ailleurs, je remercie Tom Rama Bordeaux, m'a initié dans ce monde là. Au départ, c'était un peu difficile, tu vois, mais après, à force de jouer presque tous les week-ends. Parce que surtout qu'il y a des gens qui sont là pour te regarder, pour ouais, t'écouter et tout. D'ailleurs, j'avais assisté. La dernière fois où j'étais entendu chanter en live pour de vrai et tout, c'était assez... Franchement, il chante super bien, il a une voix juste extraordinaire. De toute façon, vous verrez à la fin de la vidéo et tout. La dernière fois quand il était venu, il y avait tous les copains et tout, et ça mettait de l'énergie, tu vois. Et puis, le principal, c'est de s'éclater, de s'amuser. Hein. Quand tu t'amuses, vous ressentez cette énergie-là. C'est ça, il y a une autre énergie, il y a un échange aussi. C'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que tu as d'autres passions à côté de la musique? Alors, à côté de la musique, oui, j'ai ma guitare qui est là. Je suis passionné de guitare et depuis l'année dernière, je suis entré au conservatoire. D'accord. Pour prendre des cours, mais aussi pour me perfectionner à la guitare. Vous allez voir tout à l'heure, je suis gaucher, du coup je joue la guitare à l'envers. Voilà, parce que d'habitude les joueurs sont de oui voilà et tout. Les guitares sont faites pour les droitiers. J'ai même pas fait gaffe quand t'as joué et tout. Non, voilà. Bon, après je m'y connais pas dans ce domaine, mais ouais. Tu vas voir, tous mes doigts sont inversés, les fils sont inversés et tout, et puis c'est un gros challenge depuis petit. Wow. Et la première chanson que j'ai appris à jouer de la guitare, c'était Peps Libertas, si tu t'en souviens. Dans ta jeunesse. Ah oui, là c'est. Nanana. Attends, c'est un peu comme déjà. Nanana, il faut payer des rêves. Ah oui. La parole fait chanter, elle n'a pas son pari. Voilà. Mais les danseurs. Sinon, à côté de ça, je faisais du taekwondo. Oui. Juste avant, en fait, il m'a dit que Tane est ceinture noire de taekwondo. Et moi, en fait, je suis carrément choqué parce que normalement, je connais tous les ceintures noires de taekwondo. Ah, je suis carrément désolé, mais... T'étais dans quel club, alors? J'étais dans le club de Manura à Paia. D'ailleurs, que j'envoie des bisous à Lajuto. Yeah, les jumeaux. Des bisous. Je fais quand même quelques compétitions en France pour les championnats de France. Ah ouais, les championnats de France. T'es dans la sélection tahitienne, Paia. Et on s'est jamais vraiment... Enfin, on non, s'est pas... Lui, il était grand. Moi j'étais tout petit, tu vois. Et tu me voyais dans les championnats? Oui, je te voyais dans les championnats. Et puis, je crois que mon record c'était médaille d'argent. Excellent.
Ça fait longtemps. Ouais. Ça fait 6 ans que j'ai arrêté, je crois, le taekwondo. Mais... Et tes combattants à Tahiti, c'était qui alors? Les combattants à Tahiti, c'était ceux de Punalu, je sais pas comment ils s'appellent. Tehahit Matari, tu vois? Oui, tu vois. Ah, ok. Coupé. Voilà. Ouais, ok. Là, c'était lui. Brandon, je sais plus. Yeah. Voilà. Ah, bah, non, mais c'est sûr qu'on se croise alors. Bah, oui. Parce que je les connais tous. Bah, pourquoi tu me connais pas? Ah, non. Ah, oui, non. Ça me surprend carrément. Brandon, toute la team quoi. Ouais. Félicitations déjà d'être ceinture noire parce que c'est vachement un cap en fait au taekwondo. Lorsque tu passes la ceinture noire, c'est vraiment quelque chose de symbolique. Ben, je suis également ceinture noire et je sais que c'est un peu l'aboutissement aussi ben, de tous ces efforts, de tous ces sacrifices. Et franchement, je suis fier de toi. Ah, que tu sois ceinture noire. Donc c'est vachement cool. Donc t'as fait le Upanui alors. Enfin, oui, on a participé au Upanui en 2018, il me semble, et, dans mon groupe. Moi, comme chanteur, et j'avais aussi une chanteuse qui s'appelait Mehari. Je sais pas si tu connais. Oui. Voilà. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, Mehari. C'est pas nickel. Voilà. Et oui, elle était dans notre groupe pendant un an. Et puis, on a participé au Upanui. Franchement, c'était une des expériences les plus incroyables pour moi. Pour moi. Ouais. T'avais 2000 jeunes qui étaient devant toi. Parce que ça a été adressé aux jeunes, en fait. C'est ça. Une autre scène qui m'a bien marqué, c'était mes débuts en 2016. Pour la Hinano Live, c'était au Royal Taisin. Royal Taisin, voilà. C'est à côté. Voilà, c'est juste là. Hein. C'était ma première grande scène avec autour de moi ben, les grands artistes comme Pepina, Veloa. Ah ouais, chaud. Ouais, c'était chaud quoi. Et moi j'entends mis la soirée, tu vois, et style en mode chill, tu vois. Il y a peut-être des grands groupes derrière, Virua, Pepina, c'était incroyable. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? Bah, c'était un événement spécial dans ma vie. Bah, c'était le décès de mon papa en 2018, tu me souviens. Du coup, ça fait 2 ou 3 ans. Mm. Bah, suite à ce décès-là, j'avais voulu écrire. 2 ans plus tard, bah, c'est sorti le texte et en même temps la mélodie. Ouais. Et puis voilà, depuis mi-2020, il y a une composition qui tourne en ce moment qui s'appelle Mets-toi ta Nihil. Et voilà. C'est une de mes préférées. C'est ça quoi. Et puis j'ai vu que ça a beaucoup touché beaucoup de personnes. Ça parle de quoi cette chanson? Ça parle tout simplement des valeurs que tes anciens, que ton père t'a transmis et que toi tu transmis à ton fils ou autour de toi. Voilà. C'est dans ce sens-là et en même temps de remercier de tout ce qu'il t'a donné. Pourquoi t'as voulu écrire sur ce sujet-là, sur la transmission, sur le respect? Parce que c'est des magnifiques valeurs. Hein, donc, Vivre en famille, moi je vis tous les jours là, avec mes cousins, tu vois, quand je vais rentrer, ils sont dans le quartier, tu vois, et ces valeurs-là pour moi sont très importantes, pour moi. Et je pense que pour la plupart des personnes aussi qui nous suivent, parce qu'ils ont été hyper touchés par cette musique. Ouais. J'espère. Il y a certains qui n'allaient pas encore faire le 2 quand j'ai sorti la musique et franchement c'était incroyable qu'il y a des gens, il y a eu des témoignages qui m'ont dit ben, grâce à cette musique ben, j'arrive à faire le 2 du décès de leur père, d'approche et tout, et je vois des danseurs qui dansent qui reprennent et en même temps aussi je voulais revenir, c'est grâce aussi à la vague des nouveaux artistes comme Nourey, Techo, il y a le gros copain de Kourou, grâce à eux ben, cette génération là qui commence à composer beaucoup, qui nous pousse aussi nous jeunes artiste à composer, et puis même vous qui sont derrière là, hein, derrière l'écran, si jamais vous êtes passionné de musique et vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas, hein. Écrivez, composez, chantez. On s'y attend pas. Franchement, c'est bien ben, ce que tu fais là, justement, d'encourager. Ben, c'est aussi la raison pour laquelle je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour essayer de dégager de la joie, de la bonne humeur, de la positivité. Je pense que ça se ressent au travers ben, des vidéos. Donc, franchement, c'est cool. Merci à toi de m'avoir invité en et merci aussi à Mitsuru qui m'a permis aussi de le premier contact, parce qu'en fait c'est je crois que c'était pendant la soirée, c'est Mitsuru qui t'a demandé et tout, et en fait genre il me dit oui c'est lui Tané et tout, et bah lui demande, mais j'avais trop honte parce que moi aussi je suis quand même timide, ça se voit pas, hein. Ça se voit pas. Voilà. J'ai dit non allez vas-y Mitsuru, va. Et après c'est là qu'elle est venue te chercher, c'est là qu'on s'est parlé. Ah ok voilà. Donc merci Mitsuru. Bon maintenant les amis, on va passer à la rubrique, tu vas nous présenter Tané, un objet ben, que tu affectionnes énormément. T'es prêt? Je suis prêt. Allez, go! Alors, voici mon objet.
que j'affectionne personnellement. C'est ma guitare. Enfin, je l'ai dit, j'ai eu plusieurs guitares dans ma vie, mais celle-là, elle, c'est ma toute première guitare que j'ai appris à jouer la musique et ça fait 10 ans. 10 ans que. C'est comment ouais. C'est pour ça, c'est un peu vieux les fils et tout, mais ouais. Là, à la maison, j'en ai 4 guitares. Celle-là, j'ai jamais voulu m'en séparer. Très affectif. C'est une marque américaine apparemment. Je l'ai acheté en Amérique. Ah ouais? Quand je suis parti en voyage. Et du coup, je l'ai ramené. Mais c'est pas avec celle-là que tu joues en soirée? Non, c'est pas ça. Au début de Manois, c'était celle-là. D'ailleurs, à un moment, on avait mis un genre de sticker ouais. Et tout ici pour mettre les marques et tout. Mais après, j'ai enlevé, c'était moche quoi. Et du coup, voilà, c'est celle-là. Elle est noire et tout. Elle est un peu vieille, il faut que je la nettoie encore, il faut que je l'entretienne. Et à lui, c'est quoi son objet? Ah ouais, mon objet. Mon objet, c'est ce panier. En fait, ce panier-là, j'adore tout ce qui est panier en perroquet et tout. Ça okay. Fait pas longtemps que j'adore le panier. Là, j'en ai un là, où j'ai customisé en Pikachu et tout. Enfin, machin. Ah, c'est top ça. Et ça vient de Rimatara. Ok. Je l'ai pas encore utilisé. Enfin, je l'ai acheté, ben, ça fait à peine 2 semaines. J'ai trop hâte de l'utiliser parce que j'adore carrément les paniers comme ça. Ok. Voilà, j'ai envie de ramener un peu style d'aujourd'hui. Et c'est du coup, quand j'avais envie et tout, ben, je m'arrête comme ça. Ah, okay. C'est pratique. Et puis, ça vient de Rimatara. Hein. Ouais, c'est fait à Rimatara. Je n'ose pas encore le sortir parce que je le trouve tellement beau que j'ai pas envie de le. Ah, ok. Il bon, faut bien que je l'utilise. Ouais. Et puis, c'est traditionnel, donc j'aime bien. C'est un magnifique objet. Donc voilà mon objet. Bah, les personnes que tu souhaites remercier, fais un petit coucou, une dédicace ou... Ah bah pour terminer cette vidéo, bah, j'aimerais remercier celui qui est juste à côté de moi. Oh. De m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de faire... De, je sais pas, à refaire. Ouais, pas, tu peux reprendre juste, voilà. Juste avant. Voilà, c'est toujours un plaisir d'être avec des jeunes qui... Je sais pas. Je suis bloqué. Voilà, ça, voilà, enfin, c'est pas moi qui dois faire présentateur, c'est toi. Bah oui, c'est ça. Non mais okay. Qu'est-ce que tu ressens, enfin, ça te fait quoi d'être ici et de partager ce moment? Voilà. Merci. Ah oui, d'ailleurs. Tu vas mettre au bêtisier, j'en suis sûr. Ça. Mais non. Non mais ça fait super plaisir en tout cas d'être parmi vous et d'être parmi Teddy. Teddy hein, c'est ouais. Ça, ok. Elle connaît même pas mon prénom. Ouais, c'est Teddy. T-E-D-D-Y. Et puis d'ailleurs, bah, grâce à Mitsuru aussi, hein, que je suis là. Tu vas le reconnaître voilà. Et tout. Si vous me reconnaissez, ben voilà, cette année qui est là. Un petit message pour tous les jeunes passionnés, que ce soit en musique, mais aussi dans d'autres arts, dans d'autres domaines. Ben, la persévérance, c'est le seul mot. Là, ça fait depuis presque 5 ans, 6 ans que je suis dedans et puis j'ai pas lâché. J'ai pas lâché et faut continuer. Et voilà, dans l'humilité aussi, c'est très important, c'est pour moi. Et on a oublié de leur dire que le 11 février, au Prince. Ça c'était à Punavia, ouais. Le nouveau centre commercial là, qui vient de se d'être créé. Voilà, c'est à l'étage, il y a un grand parking et on sera là-bas. Donc Tane va chanter, enfin Mitsuru va chanter avec Tane. Il y a Tane aussi qui va chanter un peu, je pense. Oui. Ouais. Nous on y sera aussi avec toute la team du Taekwondo. Ah ok, là. Attention, pas voilà. De combat. C'est ça. On sera là-bas bah, pour passer un bon moment et tout, il y a des cocktails. Et je souhaiterais aussi remercier Mr. John bah, qui m'a coiffé comme ça. T'as vu le style? Yeah, bon ça. Que merci Mr. John pour ça. Du coup j'ai tiré au sort une personne qui a commenté la dernière vidéo avec Mitsuru. Elle s'appelle Amandine Mejri qui écrit: coucou, j'adore le concept de vidéo, j'ai adoré la petite chanson, vous êtes vraiment des personnes touchantes, je vous adore, gang family un jour, gang family toujours. Yeah. Donc merci beaucoup Amandine, t'es au top. Et si vous aussi vous voulez tirer au sort, n'hésitez pas à commenter cette vidéo juste en dessous avec Tane. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires, de liker cette vidéo aussi, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, de suivre aussi Tane Teanini. Voilà. T'as une page? Oui, ou j'ai une page Facebook au nom de Manua. Tapez sur Facebook Manua. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé. Merci encore une fois à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Merci du fond du cœur pour tout votre soutien. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous.
Maruru, Nana, et à bientôt. C'est ça. Je vais chanter ma composition Mitwatanihiri, celle que j'ai composée pour mon papa. Et puis, bah, c'est parti. Let's go. Retrouvez-nous le 11 février au Prince. Voilà. Ouais, c'est 1, 2, 3. Pas 3, hein. C'est prêt. C'est bizarre tout ça, Excellent. Et ben moi j'aime quand c'est du premier coup comme ça.